Can I have my other phone on my nightstand, please? Upstairs. Coucou mes gens, bonjour. Bon réveil. Bon matin à tous. Are you getting it? Coucou ma Magdalene. Good morning. I hope your weekend it's starting well. Oh, les enfants, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Aïe. Comment vous allez, mes gens? Ça va? how are you, Mama? Where's my phone, Aaron? Okay. Okay. Comment vous allez, mes gens? Ça va? Yeah, beautiful weather. That's why I decided to come down here, have a seat on my deck. Just, you know, relaxing. I love to sit in the kitchen, but the weather, it's so, so beautiful this morning. See? See the wind blowing? Nice breeze. Je suis assise sur ma terrasse, je bavarde. J'ai décidé de venir faire un petit direct. L'enfant là me perd le temps. Je voulais partager aussi le direct. Thank you. Thanks. Ok, maman. Comment vous allez, mes gens? Partagez alors le direct. Partager le direct. Hey, mon grand frère de qualité, si. Il fait le travail, c'est chaud, hein? Partager le direct, non, mes gens. Oh, no problem, Maman Magdalene, no problem. I understand. Nikki, thank you for liking the live. Please share the live. Partagez, partagez le direct. J'ai envie qu'on bavarde, peut-être 20 minutes max. Hein. Je vais amener les enfants au ballon. Au soccer dans quelques minutes. Venez, on parle des familles recomposées là. De plus en plus de nos jours, nous avons les, nous sommes dans les couples, les ménages recomposés, les relations, on entre dans les relations recomposées. Chacun vient avec son bagage, vous voyez. L'autre vient avec ou ses 50 enfants. Ou. Toi, tu viens avec ou tes deux enfants ou un enfant ou zéro enfant même. Ou. Mais toujours est-il que il y a tellement de mélanges de nos jours. What's going on? No, I just finished well. This year. Okay. Mm. Mais je dis, hein, mes gens, vous ne partagez pas. C'est comment, il y a personne. Non, il y a quelques personnes seulement. Mais partagez, partagez.
partager, partager. Il fait très beau ce matin. C'est le genre de matin que normalement on doit aller marcher. Mais nous les paresseux... On va laisser la paresse. Il fait très beau ce matin. C'est le jour où les maladies vont commencer à nous toucher, que vous allez nous voir dans le quartier. En train de marcher autour du quartier, dans la communauté. Alors que normalement, on devrait, même comme en semaine, on est occupé, on utilise ça comme excuse. Au week-end comme ça, là, quand il fait beau comme ça le matin, on marche un peu dans la communauté. Au moins ici, ils organisent, tout est bien organisé. Il y a les endroits, les sidewalks, un peu partout, où tu marches toi en paix, sans problème. Il y a les petits parcs là, au moins 5 ou 6 petits parcs dans notre communauté. Si. Tu peux seulement aller marcher là-bas. C'est la paresse qui me dérange. La paresse. On est seulement paresseux. À souhait. Ah. Parlons partager le direct. Je ne vois pas le partage. Vous voulez qu'on parle à deux personnes? Avec deux personnes seulement. Et qui? C'est vrai que ça ne me dérange pas, mais il faut au moins augmenter les gens, non? Coucou Mamino! Bonjour, bon samedi. Peut-être c'est bon après-midi chez toi là-bas déjà. Bon samedi, oh. Bon samedi. Bon début de semaine à tous. Merci de partager, Mamino. Pardon, vous tous qui êtes là, mettez at followers, arrobas followers. Mettez, suivez Mamino seulement. Écrivez arrobas followers, arrobas followers. Oh, je ne peux même pas partager ici. Merci beaucoup, ma Magdalene. Thank you so much. I know you're busy. Vous ne partagez pas, vous voulez qu'on parle comment? Vous voulez qu'on parle comment? Avec combien de personnes? Anyways, le bon Congo, ça on fait parler millions de gens. Ça ne fait rien, on va nous lancer notre live. Je ne me suis pas préparé pour ce live, malheureusement. Bon. Comme toujours, je ne me prépare pas. Hein. Je me lève, ce qui passe dans ma tête. Tiens, quand je commence à parler. C'est un problème. Il faudrait bien souvent se préparer. Mais je ne le fais pas. Je n'ai pas le temps. Donc, je parle. Je dis ce qui vient dans... You know, ce qui vient dans ma tête. Ce qui sort. Comment on dit ça sort, comme ça sort. Vous savez, de plus en plus de nos jours, on se retrouve dans les relations avec... Du moins, on sort d'une relation avec un bagage. La majorité de femmes de nos jours sort d'une relation à, you know, en sortant là à son bagage. Quand on parle de bagage, c'est beaucoup plus des enfants. Bonjour, Fantomas. Bonjour, mon voisin. Comment tu vas, cher voisin? Youbas. Oh là là. Comment tu vas, mon grand? Bonjour, David. Ça va? Partager le direct, partager. Donc, quand on sort d'une relation, par exemple, on était dans un ménage qui n'a pas marché, ou bien on était dans un concubinage qui n'a pas marché. Basically, une relation qui a échoué. On sort de la relation. M'assiste-toi à moi, Sylviane d'amour. C'est comment, ma chouchou? C'est comment, non, mon bébé Sissi? Les enfants vont bien. J'ai dit qu'on sort, on vient dans une autre relation, on porte nos bagages. Par exemple, moi, je vais prendre l'exemple sur moi. Je suis sortie d'une relation avec mon bagage. Mon bagage qui était mes deux précieuses filles. En vivant ma vie que je vivais là entre-temps, les gars qui venaient autour là ne venaient jamais voir, je ne montrais jamais mes enfants. Si quelqu'un, un des gars avec qui on est sorti là,
vient dire qu'il a vu mes enfants entre temps, il va vous, je sais qu'il connaît Kima lui-même. Tu vois, déjà que tu sors, tu es dehors là, tu vis ta vie qu'au carrefour. Le gars, on reste qu'au carrefour, on reste au champ. Si on ne peut pas aller chez toi, on laisse. Ça, c'est comme ça que moi, j'ai commencé. Le style que personne n'entre dans mon périmètre de ma famille. Personne, je n'amène personne à côté de mes enfants. Ça, c'était pour protéger mes enfants. Parce que quand on sort d'une relation, c'est déjà déstabilisant pour ses enfants. Et ce n'est pas bien de lancer une autre relation et amener les enfants, présenter les enfants dans cette relation. Pas du tout. Oui, le bagage, c'est ton bagage, c'est le bagage éternel. Tu as forcément porté ça, tiré ça. Donc, moi, ma méthode, j'étais single, mais j'avais mes deux enfants. Vous pensez qu'elle n'avait pas de gars? Oui, les gars, les bons gars même. Mais ils restaient qu'au carrefour. Personne ne venait à côté. Je n'amenais personne à côté de mes enfants. Personne à côté de ma famille. On faisait tout ce qu'on faisait là qu'au carrefour. Coucou Dominique, comment tu vas? On faisait tout ce qu'on faisait au carrefour. On garde ça là-bas. Personne ne vient à côté de mes enfants, je vous dis bien. Tout ça pour protéger mes enfants. Tout ça, je dis bien. C'est pour mettre... C'est les garde-fous. Au moment où je juge, au moment où je juge que, bon, cette personne, je crois qu'il est temps qu'on avance. Je crois qu'il est temps que je te fasse rencontrer mes enfants. Ça, c'est après de longues périodes de mouvement. C'est après de longues périodes d'observation. C'est après que j'ai fait toutes mes recherches sur toi. En ce moment maintenant, si tu n'es pas tombé dans mon pied, si tu n'es pas tombé dans un tchouki, bonjour Mélanie, si tu n'es pas tombé dans mon tchouki, parce que je lance toujours des tchouki pour voir si tu vas tomber dedans. Et si je suis tombé dedans, c'est comme ça que ton numéro bloqué. Ou bien tu appelles, je ne décroche plus jamais. Je ne décroche plus jamais. Il y a des gens qui connaissent ici. Tu appelles, je ne décroche plus jamais. Donc le jour où j'ai décidé d'amener quelqu'un à côté de mes enfants, ça veut dire que bon, ok, tu es un très très bon candidat. Maintenant, le problème le plus important se situe au niveau où beaucoup de femmes, en venant dans ces nouvelles relations-là, elles amènent leurs enfants, mais elles n'ont pas fait au préalable des études, elles n'ont pas fait des recherches, elles ne se sont pas investies à vérifier qui cette personne est. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand on est dans la relation, c'est toujours bon au début. Hein. L'ambiance est toujours là. L'amour est toujours là. N'en parlons même pas pour l'ambinda. Le goût de ça. Donc tu es dedans comme ça là. Comme on dit, tu es dans les nuages en fait. Et étant dans les nuages, tu te perds. Tu ne penses pas à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est le bien-être de tes enfants. Toi, tu es seulement là, tu penses comment tu es heureuse. Le gars te prend bien, il te fait bien, il te ceci bien, il te ceci bien. Mais as-tu pensé à ce que tes enfants penseront? Comment ils vont s'adapter avec cette personne? As-tu pensé à cela? Beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Beaucoup de femmes, je vais parler de femmes parce que les hommes, ils fonctionnent un peu différemment. Nous, les femmes, on fonctionne avec... Le cœur, on est tellement mollusque, on est tellement n'importe quel freliquet qui vient à côté de nous, qui fait semblant de ce qu'il n'est pas. On tombe facilement. Peut-être parce qu'il t'a amené dans un mall, il t'a peut-être acheté un parfum, ou bien il t'a amené quelque part à un restaurant, il t'a fait manger. Vous, la femme tombe comme ça si facilement. Ou bien vous allez quelque part, ou bien t'as envoyé l'argent, envoie à ta mère, ou bien... Non. Ce n'est pas ça, oh. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'on regarde. Oui, c'est bien beau quand l'homme donne tout ça. C'est bien beau quand l'homme, you know, il fait comme s'il s'occupe de toi. Mais c'est un peu plus profond que cela. Pourquoi? Parce que tu ne viens plus dans la relation seule. Et là où tu es en train d'entrer là,
Tu n'y vas pas seul. Raison pour laquelle ton esprit doit travailler, ce sont tes enfants les priorités. Tes enfants sont les priorités, le bien-être de tes enfants. Et c'est une erreur que beaucoup de femmes commettent quand elles veulent s'engager dans les nouvelles relations. Elles regardent leur bien-être. Et qui a dit quelque chose ici? J'ai raté. Donc tu fais aussi. Papa, ça fait que la, on fait seulement que qui, les qui sont. Hey, on a écrit le nom de quelqu'un s'il fait. Je fais jusqu'à ça ne donne. Hey, ça en fait. Tu vois que le glow là, c'est quoi? C'est la. Et moi-même là, je dérange. Non, mais je fais bien sûr. Tout le monde fait, non? Oui, je fais, pardon. Ne parle même pas comme ça. Hey. Et c'est bon jusqu'à. Tu parles de quoi? Ah, bon après-midi, Jen. Comment tu vas? Donc, vraiment, on ne peut pas tout le temps dire que oh, j'étais dans une mauvaise relation dans le passé. Oh, c'est monté. Maintenant, quand je regarde l'homme, s'il ne me donne pas ceci, s'il ne me fait pas ceci, s'il ne fait pas, je n'entre pas. Non. Oui, ça fait partie. Je ne veux pas dire non, ça fait partie. Mais le plus essentiel, le plus important, c'est comment cette personne prend ton enfant. Hé, hey, mamie, toi aussi, tu entres dans la danse là. J'ai fait. J'ai fait, ça a le goût. Le plus important, c'est comment cette personne prend tes enfants. Mais tu vas le savoir comment. Puisque dès le début, si tu as une devise qui était comme la mienne, personne ne vient à côté de mes enfants. Personne ne passe même chez moi. On se rencontrait, je vous ai dit tout à l'heure, c'était au carrefour qu'on se rencontrait, c'était même pas à côté de ma maison. Tu sais que je vis à tel endroit, je ne t'ai jamais donné l'adresse. Donc le jour où je disparais, j'ai disparu. Tu ne vas pas te lever un jour, te pointer à ma porte parce que peut-être tu avais l'adresse. Je ne donne pas l'adresse. On se voit qu'au carrefour, on peut gérer, on peut mouvementer comme ça un an. Sans que tu n'aies jamais vu le chez moi, sans que tu ne connais même pas mon adresse. C'est comme ça que moi je fonctionnais. Et j'évitais même les milieux camerounais. Je ne bougeais pas avec les Camerounais. Quelqu'un qui va te dire ici qu'il me connaît quelque part, il ment. Je dis Camerounais. J'avais fui les Camerounais. C'est pas le mensonge. Oui, mais quand on est marié, on ne fait pas. C'est toujours la même chose, j'y sais. C'est la même chose, c'est toujours fait. Ça ne change pas le nom. C'est le même, c'est la même chose. Donc vraiment. Comment étudier l'homme? Comment savoir si cet homme est suitable, est bien, peut être bien à côté de tes enfants? Parce que j'ai dit tout à l'heure, quand on entre dans la relation, on n'entre plus seul. Notre priorité, ce sont nos enfants. Leur bien-être, leur joie, leur bonheur, leur épanouissement. Mais on ne teste pas avec ses enfants, on ne teste pas. C'est le style qu'un. Tu testes qu'au carrefour. Tu n'amènes pas à côté de tes enfants pour tester. Non. Parce que si ça échoue, c'est critique. Pourquoi? Parce que ça va laisser une séquelle indélébile sur vos enfants. Donc on ne teste pas sur l'enfant. Vous testez ça qu'au carrefour. C'est en route qu'on teste ça. Tu apprends à connaître la personne. Tu ne lui dis pas, c'est toi qui sais ce que tu cherches. Tu le regardes, tu vois sa façon de faire à côté de d'autres enfants. Tu fais même le background check. Ici chez nous, on a les possibilités de faire ce qu'on appelle background check. Et on fait. Moi, j'ai déjà fait sur quelqu'un. Et je ne blague pas, j'ai déjà fait. Je paye. Je fais le background check. C'est vrai que le background check ne donne pas, ne montre pas tout, parce qu'il y a des personnes qui ont des passés. Et qui n'ont pas été répertoriés, qui n'ont pas été mis dans les statistiques, qui ont toujours eu à cacher. Bon, en ce moment, tu essayes de faire aussi ton enquête de moralité. Enquête de moralité, comment? Des personnes autour de cette personne. Les gens que tu connais, qui connaissent cette personne. Tu le mets devant certains faits accomplis pour voir sa réaction. Et c'est en fonction de ces réactions que tu pourras aussi plier encore le petit doigt. Ah, les enfants t'aiment trop, hein. Ok. C'est bien. Donc,
On ne peut pas se lever seulement comme ça, élan, élan. On peut entrer dans une maison, on porte nos 3, 4 enfants, 5 enfants, on amène là-bas dedans. Il y a eu tellement de cas ici, seulement sur le net où nous sommes ici. Coucou Jaden, comment tu vas? Ça fait longtemps. Hein? Seulement sur le net où nous sommes ici. On a vu tellement de cas. De couples, familles recomposées, où l'homme, on va parler de l'exemple de l'homme, les enfants se retrouvent avec les hommes qui les abusent dans les maisons. Abusent non seulement physiquement, émotionnellement, et sexuellement même. Vous voulez ça pour vos enfants? Les enfants sortent déjà d'un trauma, comme on dit. Parce que tu es sorti d'un autre ménage, ils sont émotionnellement affectés. Tu les amènes encore dans un cancan, un cancan en qualité de maison comme ça là, où les enfants ne sont pas pris en considération. Tu avais un homme où il fait seulement comment sur tes enfants. Oh, I don't know. Il y a les cancan qualité de choses ici dehors. Oui. Moi, le soleil commence à entrer que dans mes yeux ici. On fait comment on bouge. C'est pour ça que c'est pas bien d'amener tes enfants dans la relation directement. Il faut prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps d'observer. De créer les situations d'embuscade pour voir la réaction de la personne en face de toi. Ce n'est pas parce qu'un homme te donne les choses pour donner à tes enfants, ou bien fait des petits cadeaux, ou bien ceci, que c'est une bonne personne. Parfois, ils font comme ça alors que ce sont des personnes qui, you know, ils cherchent juste d'avoir, d'apprivoiser, de prendre le cœur de cet enfant-là ou de ses enfants. Pour facilement les assaillir, comme on dit. Ce n'est pas toujours ça qui est bien. Et celui qui ne donne pas aussi, ce n'est pas bien. Donc il faut observer de tous les côtés. On a trop de cas vraiment désagréables où on rencontre des filles qui sont quittées des ménages avec des beaux petits enfants, des belles petites filles ou garçons. Elles sont allées entrer dans les qualités de ménage comme ça, là, ou les qualités de concubinage, où on a détruit ces enfants devant elles. Et elles n'ont pu, elles n'ont rien fait. Elles se rendent compte comme ça, elles se lèvent un matin, elles se rendent compte que leur enfant, ou c'était la fille, ou c'était le garçon, on a fini avec. En ce moment, vous faites comment? C'est tard. C'est très tard. L'enfant a été extrêmement vulnérable. L'enfant a été touché. Affecté. Comment ramener ça? Comment guérir cela? Ce sont des choses que pour la plupart du temps, on ne guérit pas. Hein. Quand l'enfant a été ou bien sexuellement molesté, ou bien physiquement, même mentalement, c'est difficile de se remettre. C'est pour ça que le plus important, c'est le début, c'est le commencement. C'est le choix de ce partenaire-là. Quand on n'arrive pas à faire un bon choix, ça veut dire que nous-mêmes, on a porté nos enfants, on est parti mettre dans quelque chose que on va pleurer toute notre vie. Parce que quand toi, tu te rends compte que c'est toi qui as choisi ce monsieur, c'est toi qui as mené ce monsieur à côté de tes enfants. Et c'est ce monsieur qui a abusé tes enfants. Tu peux vivre. Comment est-ce que tu vivras? Tu ne vas plus vivre normalement. Parce que tu vas te sentir, tu auras une culpabilité pas possible. Parce que c'est arrivé à cause de toi. C'est arrivé à cause de toi. Tu n'as pas pu choisir. Tu n'as pas su choisir. Si tu ne connais pas comment faire le choix, il y a les livres pour ça. Tu vas même à la librairie ou à la bibliothèque. Ici, on appelle ça librairie. Tu vas à la bibliothèque. Tu regardes, il y a les livres pour ça. Comment choisir le nouveau partenaire pour une femme qui vient avec ses enfants dans un ménage? Il y a les règles à suivre. Il est vrai que bon, ça ne marche pas toujours, mais c'est quand même un squelette, c'est quelque chose, c'est un temple, c'est un canevas que peut-être certaines personnes ont utilisé et ça a, you know, le plus souvent marché. Mais se lever comme ça, là, en tant que maman avec un bagage,
On ne se lève plus, on marche n'importe comment. On ne peut pas marcher comme un enfant qui a 24 ans ou 25 ans. Ou 20 ans même. Qui entre dans la relation. Non, on n'est pas du tout pareil. Nos priorités ne sont pas les mêmes. Nous ne vivons plus pour nous. Nous ne traçons plus le chemin absolument pour nous. Notre chemin qu'on est en train de tracer, c'est pour nos enfants. Et tant que nos enfants réussissent, nous aussi, on réussit. Je ne vous ai pas dit d'aller mettre vos rêves sur vos enfants. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, parce qu'il y a la différence. Je ne vous ai pas demandé d'aller poser vos aspirations sur vos enfants pour qu'ils deviennent votre retraite demain. Ce n'est pas le cas ici en Occident. Oubliez ça déjà. Ça, c'est un autre sujet. Mais tant que ton enfant réussit, même s'il ne s'occupe pas de toi demain, tu es assise quelque part, tu es contente. Parce que tu sais que non, tu as fait un bon travail. Tu as été la mère poule autour de tes enfants et ça a marché. Et non seulement on ne peut pas dire qu'on est, on fait tout de nous-mêmes. Non, nos ancêtres nous guident. Ils veillent sur nous. Je dis bien, nos ancêtres veillent sur nous. Quand tu fais tes choses, tu parles à tes ancêtres, ils te guident. Ils te dirigent. Parce que nous ne sommes pas, on n'a pas le super, le pouvoir de tout, non. On prie à nos ancêtres aussi. Et ils nous écoutent. Quand ça ne va pas, ils te montrent la route. Ils disent que non. Ils te montrent un truc sur la personne que tu penses que c'est la personne-là. En ce moment, toi-même, tu ouvres les yeux, tu dis que wow, je n'avais pas vu ça. Hein? Il y a plusieurs personnes ici qui connaissent. On a tourné comme ça. Là, quand je vois un petit caractère, j'ai disparu seulement. Il me cherche encore ici au steak. Il me demande que Melangala, qu'est-ce qui s'est passé? Non, qu'est-ce que je lui ai fait? Non, j'ai dit, j'ai disparu seulement comme ça, comme l'étincelle. C'est peut-être 3, 4, 5 ans après qu'on se retrouve encore quelque part. Il dit, mais la mère, tu m'avais fui comme ça. Qu'est-ce que je t'avais fait? C'est moi qui connais pourquoi je suis partie. Je ne donne pas le préavis. Du moins, je ne donnais pas de préavis. Dès que je découvre quelque chose, mon frère, le lendemain, mon numéro là, tu appelles, ça en passe plus. Même moi-même, j'étais terrible. Oui. Et certains gars qu'on tournait ensemble, là, il y a d'autres qui ont demandé même à me marier. Parce que chacun me voit, il veut seulement marier. J'ai dit, eh, vous les hommes là, vous voyez les filles, vous voulez seulement marier. C'est quoi, non? Oh, marier. Maman, un gars me demandait un mariage et c'est là où je le fuyais, direct. À l'époque, parce que je ne voulais pas me marier. Je voulais monter, descendre, comme on dit qu'on monte, on descend là. Bien même. Donc, quand tu viens à côté de moi, tu commences à me parler de mariage, que Marion. Le lendemain, ton numéro n'est plus dans mon téléphone. Et tu es bloqué. Il y a plusieurs qui connaissent. Et la fille, si tu veux chasser la fille, si tu veux chasser la fille, il faut lui dire que tu veux la marier. Maman, c'était chaud quand même, hein. C'était chaud à l'époque. Tout ça parce que moi, j'avais ce que je voulais dans mon cœur. Je ne voulais pas le fuma. Je ne voulais même plus les cancans camerounais. Pardon. Oui. Je regardais mes enfants. Je dis que non, maman, ce sont mes enfants. Numéro uno, ce sont mes enfants. Je pars à mon école. Je finis l'école. Je travaille. Je ceci. C'est pour mes enfants. Je ne peux pas souffrir comme ça là. Un gringalet freliquet vient de je ne sais où. Il arrive, il voit mes belles petites filles là. Il commence à toucher. Maman, je vais prendre le fusil, mettre ça. Voilà pourquoi le choix du partenaire est trop important. Coucou Malo, comment tu vas Lolo? C'est pourquoi le choix de ce partenaire-là était terrible. Et en ce moment, je me mets en arrière. Mon bien-être est lié au bien-être de mes enfants. Eh, hey, coucou ma Georgette, oh, tu es enfin venue sur Facebook. C'est comment non la main? C'est comment? Ça fait longtemps. C'est pour ça qu'en ce moment, moi, je me suis mise en arrière. J'ai mis mon bonheur de côté.
Parce que je travaillais sur ce qui va plaire à mes enfants. Le cadre dans lequel mes enfants seront heureux. Le cadre dans lequel mes enfants auront la joie et seront épanouis. C'était ça qui m'importait en ce moment. Il est vrai que on veut aussi se sentir bien, ce qui est si c'est ça. Mais ce n'était pas une condition sine qua non pour le choix de mon partenaire ou le choix de la personne que je vais amener à côté de mes enfants. C'est pour ça que nous, les femmes, vraiment, laissons notre libido. Mettons cette libido-là de côté. Oui, c'est important. Ça fait partie de tout. Mais ça ne devrait pas être la condition sine qua non pour le choix du partenaire. Ça ne paye pas les factures. Ça, c'est déjà un truc. Ça n'élève pas les enfants. Il faut regarder quelqu'un qui est capable de uplift, on appelle ça quoi en français, d'élever tes enfants. Quand je dis élever, ce n'est pas non. J'ai dit élever de manière spirituelle même, de manière émotionnelle. Quelqu'un qui peut être là et apporter cette énergie là à tes enfants. Parce que quand vous êtes dans la maison avec les enfants, l'énergie compte. Maman, le soleil. Aïe, est-ce que vous voyez le truc ici là? L'énergie compte. Parce que les enfants ressentent tout cela. Nous, les adultes, peut-être pas vraiment, mais les enfants ressentent ça très vite. Merci, ma Sylviane. Une fille qui sort de quelque part avec son bagage ne devrait pas réfléchir par rapport à ses jambes ou son bas-ventre. Non. Sa réflexion devrait se poser sur comment ça va se passer avec mes enfants. Est-ce que mes enfants vont se sentir à l'aise? Tu ne peux pas prendre un cancan, on vous aide là. Il va parler à tes enfants n'importe comment. Il va ne même pas aider tes enfants avec le homework. Ou bien les enfants ici ont tellement d'activités, il ne va pas s'involver. Celui qui dit qu'il m'aime, tu dois aimer mes enfants de la même des manières. Si tu m'aimes et tu regardes mon enfant qui avait un œil comme ça, mon frère, tu ne m'aimes pas. Et tu fous le camp. Et je dis bien, on ne teste pas ça avec les enfants à côté. On teste ça en gardant ses enfants derrière. Tu regardes, tu utilises d'autres méthodes qui n'involvent pas tes enfants. Voilà. Exactement ça, Mamino. Il y a trop de cas comme ça, dis donc. Hein? Je connais une fille ici. Elle est sortie d'une relation, elle avait 3 enfants. Hein? Une bonne fille, je dis une très bonne fille, très bonne maman même en plus. Elle a rencontré un gars, elle se disait que oui, elle est très haut, le monsieur est très bien, il fait ceci, il fait ceci, il fait ceci. Et elle, dès le début, elle a amené ce gars à côté de ses enfants. Bon, c'était son choix, ce que moi je ne conseille pas. Voilà. Parce que si ça ne marche pas, demain tu sautes, tu pars à une autre relation, tu amènes encore un autre homme, tu montres quoi à tes enfants? Tous les jours tu sautes, les enfants voient un tonton ici demain, après ils voient un autre tonton, après demain, après ils voient, et c'est quelque chose que tu montres à tes enfants. Mais anyways, c'était son choix. Elle pensait que ce gars était le meilleur, parce que ce qu'il faisait avec ses enfants, il l'aidait, il assistait, il accompagnait et tout, et tout, et tout. N'est-ce pas, finalement la fille a marié le gars? Elle avait les enfants joyeux. Comment le soleil là, vraiment, vous dites, fasse comment? Ses enfants étaient joyeux avant la relation. Dès qu'elle a décidé d'aménager avec le gars, elles ne se sont même pas mariées. Je fais comment? Ils ont décidé juste de move in ensemble. Comme on dit, chacun. Du moment où ils ont commencé à le faire,
Les enfants ont perdu leur éclat. Tout le temps, elle était mal à l'aise. Elle s'est dit que, ouais, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Elle me parlait même de temps en temps de certains trucs. Wow, les enfants, quand je pars, ils sont toujours cachés. Ils ne restent plus, ils ne sortent plus. Ils ne sont même plus au salon. Ils restent toujours dans leur chambre. Ils ne me parlent plus comme ils me parlaient avant. J'ai dit, mais maman, il faut réfléchir. Regarde un peu ce qui se passe. Tu t'es assise avec tes enfants pour causer bien, 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 pour savoir ce qui ne va pas. Elle dit qu'elle a essayé, mais les enfants ne s'ouvrent pas. Quand tu remarques quelque chose comme ça, un changement drastique, tu avais des enfants très joyeux avant d'entrer dans cette relation. Coucou Oliver, comment tu vas? Et all of a sudden, tes enfants deviennent les plus renfermés possibles. Pose-toi des questions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Le nouveau, tu as amené quelqu'un dans la maison, ou bien vous êtes mélangé. Réfléchis, regarde d'abord là. Coucou Berlin. Berlin, je ne suis pas d'accord avec toi. Personne ne se lève qui part faire les enfants en désordre. Ça ne marche pas comme ça. Et la femme là qui fait les enfants, elle fait les enfants seule. C'est une autre question. Quand la femme fait les enfants, elle ne fait pas l'enfant seule. Elle ne se couche pas elle seule pour avoir les enfants. Elle ne se mina pas seule pour être enceinte. Hmm? L'affaire de désordre, là, s'il faut parler de ça, c'est de deux côtés. C'est le côté de la femme et le côté de l'homme. Parce que vous deux, vous partez, vous vous couchez, vous vous accouplez. L'enfant entre. Quand l'enfant entre, toi-même, tu ne savais pas que la femme pouvait être enceinte. Donc, ça veut dire que tu fais partie du problème. Pas de la solution. Hmm? Oui, Jaden, il y a la chance qui compte, mais la vie, on ne compte pas sur la chance. La vie, on fait son propre travail. Si tu vas dire que la chance, on va se retrouver à quel niveau? Eh, le soleil, là, est dans mes yeux, maman. Je fais ça comment maintenant? Et attendez, comme ça, même jusque là. Attendez, je vais bouger, je m'en vais sur une autre chaise ici, là. Attendez, je tourne, je me mets. C'est la même chose, pardon. C'est même pire. Mais le soleil dans mes yeux. Ou bien je vais de l'autre côté là-bas. Hein. Tu ne peux pas rester et mettre la chance dans tout. Hein? On dit aide-toi et le ciel t'aidera même. Tu ne peux pas t'asseoir et dire que tu attends la chance. Non, 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 non. Tu fais ce que tu as fait. Et en ce moment même, la chance là va te sourire. Ne t'assois pas, tu dis que la chance. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Donc je vous dis petit à petit par rapport à cette histoire, la dame, elle a commencé à observer beaucoup son mari, son copain. Il n'était pas encore marié. Et elle a découvert beaucoup de choses. Beaucoup de choses dont je ne peux pas vraiment vous parler. Elle a décidé de se retirer. Parce qu'il était temps. Il fallait qu'elle sauvegarde le bonheur de ses enfants. Elle s'est retirée. Elle a déménagé. Elle a laissé le monsieur dans leur appartement. Elle est partie prendre son appartement à elle. Et vous savez quoi? Ça n'a pas mis long. Les enfants ont recommencé à être encore joyeux. Elle retrouvait maintenant ses enfants. Juste pour ça. Le choix de son partenaire, maintenant là, du moins depuis cette période-là. Vous pensez qu'une maman comme ça, là, elle va se lever et sortir avec n'importe qui, juste comme ça? Non. C'est là où elle a compris pourquoi je lui avais dit, n'amène pas quelqu'un à côté de tes enfants. Vivez vos vies, tu vis de ton côté, il vit de son côté. Vous voyez quand vous voulez vous voir au carrefour. Préserve la sécurité émotionnelle de tes enfants. D'abord, ne cours pas parce qu'on dit que, et il y a beaucoup de gars ici dehors parce qu'elles veulent dire qu'elles sont en couple. Je suis avec un gars, je vis avec mon gars, on mange ça. Mince. Tout ça parce qu'il faut le titre de femme mariée ou je suis en couple avec quelqu'un. Non, ça ne paye pas les factures, ça n'aide pas ta vie. C'est pour le public. Et qu'est-ce que tu gagnes?
Ce qui devrait t'intéresser, c'est toi-même. Comment tu te ressens? Si tes enfants se sentent mal, tu vas te sentir mal. C'est justement pour ça que je mets un point sur ce choix de partenaire-là. Dès le début. Ce n'est que comme ça que tu commences à aider tes enfants et à t'aider. On donne l'enfant à quelqu'un d'épouser, mon frère. Benjamin, toi tu sors d'où, non? Que je te donne ma fille d'épouser. Oh, parce que la fille là n'a pas son... Elle n'a pas... She doesn't have a mind of her own. Si tous nos enfants d'ici, tu peux donner l'enfant ici à quelqu'un. Que c'est la folie. Encore une mère androïde comme moi, je vais porter mon enfant, aller donner à quelqu'un d'autre. Yeah! Que moi, on m'a donné l'homme. Est-ce que moi, maman m'a donné l'homme? Pour que j'aille donner ma fille. Nos enfants qui sont tellement l'éducation dans la tête de nos enfants ici. Que tu, tant tu crois que tu vas donner, mais je dis pas, tu peux même imaginer que tu veux faire les hook-up, non? Tu rencontres, tu fais un peu que tu amènes certaines personnes et tu amènes tes enfants, tu mets un mélange là. Juste pour qu'ils se hook-up, pour qu'ils se, you know, pour qu'ils se retrouvent. Jusque-là, les enfants n'aiment pas ça. Quand j'aime les enfants, mes enfants, je vais laisser les enfants des autres. Chacun choisit sa propre, son propre croix. Parce que moi, ma mère ne m'a pas amené les gens. Tu choisis, si c'est chaud demain, c'est ta croix, tu portes. Comme moi, j'avais choisi, j'ai porté ma croix. J'ai assumé. Attends, Berlin dit, la femme doit voir ce qui est bien pour elle, son bien-être. Tu peux faire un par accident. Le deuxième, l'homme doit t'épouser, apprendre ou à laisser. Les enfants ont bien besoin de l'éducation d'un homme. Absolument, tu as raison sur la dernière partie là. Les gars avaient leur moto là le samedi matin là. Tu as raison sur la dernière partie. Mm-hmm. Mais on ne peut pas déterminer comment les gens veulent vivre leur foyer. Il y a des gens qui décident qu'ils veulent accoucher avant de marier. Il y a des gens qui décident qu'ils veulent se marier avant de faire des enfants. Bon, maintenant, supposons que tu sois même marié. Tu es dans un mariage, tu as accouché un, deux enfants, trois enfants. Tu ne devrais pas te sentir être obligé de rester dans cette relation parce que tu as des enfants. Je dis non. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je dis non. Ce n'est pas parce que tu as des enfants que tu dois être obligé d'être dans la relation là. Non. Why? Si tu es malheureuse dans cette maison, pourquoi continuer à rester? Je dis malheureuse de toi-même, pas que quelqu'un vienne te dire que tu es malheureuse. Non. C'est toi-même qui dois ressentir sur ton corps. Ça doit te chauffer sur toi-même. Si cette personne t'abuse physiquement, émotionnellement, sexuellement, pourquoi tu dois rester là-bas? Parce que tu as les enfants. Hein? Pardon, les femmes, arrêtez ça. Ça ne marche pas comme ça. Et l'homme qui pense comme ça de nos jours, ce n'est pas quelqu'un de bien. Je suis désolée. L'idéal, c'est de rester, d'avoir les enfants et éduquer ses enfants avec le papa des enfants. Ça, c'est l'idéal. Mais ça n'arrive pas toujours. La majorité des cas, même on rencontre des couples, ils ont des enfants. Les enfants sont tellement malheureux parce que les parents sont malheureux. Vous ne connaissez pas quand vous êtes dans les ménages comme ça là. Parce que vous dites qu'on est marié, on est marié. L'homme et la femme se tiraillent tous les jours dans la maison. Ils crient, ils se battent, ils s'insultent. Ils ne se considèrent pas, ils ne font pas ce que les couples font. Il n'y a aucune joie, aucun amour. Aucun amour, on dit aucun amour, aucun amour, voilà. Il n'y a aucune complicité. Quand vous êtes dans les ménages comme ça, vous pensez que les enfants là ne vivent pas ça, ils ne voient pas ça. Ils voient ça. Et ils apprennent, c'est ce qu'ils connaissent.
Ils connaissent que papa et maman se tiraillent toujours, c'est ce qu'ils connaissent. Ils connaissent que papa et maman crient tous les jours, c'est ce qu'ils connaissent. Ils connaissent qu'ils n'ont jamais vu papa faire le bisou à la maman. Il n'a jamais vu papa ou maman toucher même le dos de sa femme comme ça, ou aider même à défaire ses cheveux, ou lui faire même un petit nettoyage du pied, ou un petit massage. L'enfant ne connaît pas ça, parce qu'il n'a pas vu ça. Bon, vous êtes en train de fabriquer quelle qualité d'enfant demain, pour demain. Parce qu'ils sont malheureux dans ces maisons-là. Tout ce qu'ils connaissent, c'est le drame que vous leur montrez tous les jours. Demain, ils deviendront des personnes qui vont donner le drame à d'autres filles là-bas dehors, ou d'autres enfants. Parce que c'est ce qu'ils connaissent. Tu ne peux pas donner l'amour si tu n'as pas reçu l'amour. Si tout ce que tu as reçu dans la maison quand tu étais avec tes parents, c'était les bagarres, c'était les insultes, c'était les je sais pas quoi, you know, manque d'amour dans la maison. L'enfant va être épanoui aussi, comment non? C'est pour ça que dans nos communautés camerounaises là, on a trop d'hommes violents. Trop d'hommes violents. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu comment leur papa s'occupait, faisait à leur maman, comment ils vivaient. Ils ne font que reproduire ce qu'ils ont vu. Et pire, comment voulez-vous que la société évolue? Quand on est dans un pays où on voit toujours seulement les personnes très violentes, les hommes sont tellement violents vis-à-vis de leurs femmes. Certaines femmes deviennent aussi violentes parce qu'elles disent qu'elles veulent « Coucou ma Sabine, comment tu vas ma chérie ?» Parce qu'elles disent qu'elles veulent se venger ou se protéger des hommes. Donc maintenant, quand vous êtes dans un ménage comme ça, vous voulez quoi de ces enfants? Vous espérez qu'ils deviennent quoi? Ils ne peuvent pas réellement être différents de ce que vous êtes. Très rarement, certains vies, you know, deviennent différents de ça, de ce qu'ils ont vu. Ils feront exactement ce qu'ils ont vu leurs parents faire. Et je dis bien pire. L'enfant amplifie toujours ce qu'il a vu ses parents faire. Oui, ma Sabine, c'est ça. Tu ne peux pas être dans une relation parce que tu es obligé d'être dans la... Coucou, Tino. Tu ne peux pas être dans une relation parce que tu es obligé d'être dans la relation parce que tu as les enfants. Non, non. L'enfant n'est pas... C'est pas l'handicapé. Hein. Qui vous a dit ça? J'ai tiré mes deux filles, on était en route. Ah oui, 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 oui. C'était dur. Mais c'était... C'est quelque chose que j'avais accepté. Je m'étais préparée que ça va être dur. Et je vais devenir dur à cause de ça. Mon bonheur, le bonheur de mes enfants, ça ne se négocie pas. Si je suis malheureuse, je ne suis plus là-bas. Oui. On n'a pas dit que d'un coup de tête, on se lève, on part. Non. Il faut aussi t'asseoir et voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu peux faire pour améliorer? Parce qu'il y a des choses que à ton niveau, tu peux changer. Peut-être ça va aider. Ou bien, quand tu vois que ce sont des choses que ce n'est pas, you know, it has nothing to do with you. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu ne peux pas changer. Et quand tu ne peux pas changer quelque chose, ça ne vaut pas la peine de t'asseoir, dire que tu vas seulement supporter. Est-ce que toi-même, tu vas te retrouver, tu seras comme les Takam 2 ici, là. Quand je dis Takam 2, je ne dis pas mon chanteur, là. Je ne dis pas ma personne personnelle. J'ai dit le Takam 2 qui était ici, là, au Ohio, là, que l'autre a fini avec l'autre, là. Il s'appelait Takam. On n'est pas obligé de rester dans une relation parce qu'on a les enfants. Je refuse. Vous m'amenez dans un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est toujours un sujet très, trop important. Tu es malheureux, il faut réfléchir, voir maintenant si les problèmes que tu traverses là, ça vaut la peine de supporter. Ça vaut la peine de laisser. C'est quelque chose que vous pouvez travailler dessus pour, you know, pour que ça finisse. Il faut bien réfléchir. Yes, Papa. Are you doing live outside? Yes, I'm doing a live. You wanna say good? You wanna say good morning? I'm okay. Look at your mouth. Ooh, okay, just do the morning. Maybe. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Voilà donc. Avoir les enfants n'est pas synonyme d'handicap, Berlin. Non. Et quand tu as l'enfant avec une personne, ce n'est pas
ce n'est pas toujours mauvais. Et on ne peut pas dire que, oh, pourquoi elles vont avoir les enfants partout, partout. Arrête, excusez-nous. Hein. Oh, n'est-ce pas, c'est vous qui nous amenez dedans. Quand on part ici, on accouche. Maintenant, on vient ici, on accouche. C'est votre faute. C'est votre faute. Ah. Anyways, choix du partenaire est trop important. Trop important. Vos enfants, priorité numéro un. Tu es assise dans un ménage, tu es malheureuse, tes enfants sont malheureux, ils ressentent ça. Point. Si tu vas dire que tu vas supporter parce qu'il y a les enfants, supporter parce qu'il y a les enfants, c'est ton choix. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Il y a des choses qu'on peut, you know, travailler et ça passe. Mais si tu vas rester là, on te tape. Tu restes, on te tape, tu restes, on te tape, tu restes. Ah, be my guest, non? Le jour où tu es Kwanja Anderson, on va venir pleurer. Ça aurait été ton choix. Et personne ne peut dire à l'autre, reste dans telle relation ou sors de telle relation. C'est chacun qui sent son corps. C'est pour ça que quand vous avez certains problèmes, n'invitez pas les amis dans vos choses. C'est mieux de parler à un membre de votre famille très très proche que de parler aux amis. Parce que la majorité de cas, les amis vont vous faire gaspiller ou un mariage qui aurait pu être sauvé. Voilà. Il faut chauffer le café si c'est déjà... Moi, il y a un bon commentaire ici, hein, ça... Tout ce que moi je connais, c'est que je sors d'un endroit avec mes enfants. Ce sont mes enfants qui comptent. Point terminé. Tu parles n'importe quoi, c'est ton problème. Ce sont mes enfants qui comptent. Et je mets ma machine en jeu pour me rassurer que c'est bien. Et je redis encore, on ne connaît jamais l'homme. On ne peut pas dire que je l'ai étudié, je connais comment il réagit, j'ai vu, non. Mais on a quand même fait l'effort de connaître les basics. On a quand même fait l'effort de voir d'avoir le minimum de qui est cette personne-là. Voilà, maman, il y a les commentaires ici. J'ai raté beaucoup de commentaires. Hein. Et je répète encore, hein, pardon, le mariage, où c'est le mariage? Les enfants, hein, ce n'est pas synonyme d'handicap, pardon. C'est bien que pour faire les enfants, il faut regarder avec qui tu es, il faut se rassurer que c'est aussi une bonne personne. Mais bon, ah, est-ce que c'est alors comme ça tout? La vie n'est pas une règle graduée. La vie n'est pas une règle graduée. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on se retrouve que bon, on a fait des enfants et puis on se retrouve qu'on n'est plus avec la personne. C'est pas aussi mauvais que ça, non. Parfois même ça sauve ses enfants parce que tu étais dans une relation malheureuse. Hein? Tellement malheureuse, les enfants étaient aussi, ils ressentaient ça, ils étaient mal, ils n'étaient pas bien épanouis, ils n'étaient pas aussi heureux. Tu te retrouves ailleurs, bien heureux, bien épanoui, tes enfants aussi. Tu vas dire que quoi, c'était mauvais pour les enfants, non. C'était pour un bien, pour un mal. Il a fallu que tu sois dans des situations difficiles pour comprendre que tu peux avoir tu peux te retrouver dans une situation facile après. Et tu travailles dessus, c'est tout. On ne va pas seulement rester s'asseoir et espérer que tout va nous être tendu. On va parler de chance. Non, la chance vient seulement quand toi tu mets tout ce qu'il faut de ton côté. C'est en ce moment même que toi-même tu comprends que ok, la chance m'a vraiment souri. Parce que tu as travaillé. C'est pas comme le loto. «
Oui, je comprends bien, Jaden. Il y a vraiment, quand on parle des histoires, n'est-ce pas? Il y a les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Tu vois un peu? Il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes aussi là dehors qui ne comprennent pas. Leur problème, c'est que, oh, ah, je m'en fous, hein. Elle fait un enfant là-bas. Après, ah, je m'en fous, hein. Elle pas fait l'autre enfant là-bas. Ah, je m'en fous, hein. Maman, elle se retrouve comme ça, elle a peut-être quatre enfants, quatre pères différents. Ce n'est plus bon. En ce moment-là, c'est un peu la saleté. C'est un peu le. C'est la folie même à la limite. Tu as fait une erreur une fois. Pardon, ne fais pas la même erreur deux fois. Encore moins trois fois et pire, quatre fois. C'est pour ça que quand tu fais une erreur la première fois, quand tu sors de là, tu prends ton temps. Oui, tu prends ton temps, maman. Hey! Donc tu vas tomber dans la même erreur deux fois ou trois fois. Non. En ce moment, c'est toi le problème. Oui. On ne va pas dire que, oh, première fois, c'était un problème. Non, pas toujours. Quand on se retrouve dans certaines situations, on essaye de gérer en fonction de comment, de l'aptitude qu'on a et des opportunités qu'on a. Bon, mais maintenant, dès que tu réussis à sortir d'un premier problème, ne t'aventure pas à l'entrée dans l'autre. J'ai dit, je vois les filles. Elle a un enfant ici, l'enfant a 5 ans. Deuxième enfant a 2 ans. Troisième enfant a 4 ans. Quatrième enfant a 6 ans. Cinquième enfant, tu dis, mais différent papa. Elle aligne seulement comme ça. Elle ne se donne même pas le temps de se poser la question que qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je ne fais que faire les mauvais choix? Pourquoi je ne fais qu'avoir les wrong picks? Pourquoi je ne fais que choisir les mauvaises personnes? Peut-être ce n'est pas seulement les personnes que je choisis. Peut-être c'est moi qui ne connais pas faire le choix. Peut-être c'est moi qui suis le problème. Donc, il ne faut pas seulement prendre ce qu'on dit, ce que je dis, de côté de la manière la plus extrême. Il y a les bons partout, il y a les mauvais partout. Il y a les mauvaises filles, il y a les mauvais gars. Ça. Mais quand je parle de la moyenne. De la moyenne, de la majorité, en fait. Voilà. Mais les filles, quand vous sortez un mariage ou bien un enfant avec un père, deux enfants, deux pères, trois enfants, trois pères, vous alignez un an après, vous-même, vous voulez qu'on vous prenne comment? Coucou, Étienne. Vous-même, vous voulez qu'on vous regarde comment? C'est comme si c'est la folie directe. Non, 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 c'est la folie. Si tu as fait un enfant avec un père, tu te retrouves que tu n'es plus avec le père là. Attention. Attention. C'est là où tu dois sciencer maintenant que j'ai fait l'erreur. Oh. Me voici en train d'aller une autre relation. Ça veut dire peut-être un autre enfant. Et ça va faire deux enfants, deux pères. Et tu commences à réfléchir. It's not cute, c'est pas beau à voir. Que tu vas te tourner là, tu as un enfant blanc, l'autre c'est l'enfant bleu, l'autre c'est l'enfant Chinese, l'autre c'est l'enfant coréen. Mais vous faites ça comment? Vous vous arrangez seulement à cotiser les choses dans les maisons. Ce n'est même pas bien pour l'équilibre de ces enfants-là entre eux-mêmes dans la maison. Oui. Il y a certaines femmes qui font ça, bon, peut-être par naïveté, peut-être par manque d'éducation, peut-être par manque de self-respect. Elles ne se respectent même pas d'abord elles-mêmes. Parce que une femme qui se respecte, mon frère, quand tu as deux enfants, deux pères, tu t'arrêtes. Tu dis que c'est bon, j'ai compris. Tu t'arrêtes. Parce que pour ton honneur, pour le respect, ton propre respect, tu ne veux pas te retrouver en train de bonne âme ici, bonne âme là-bas, bonne âme là-bas. Mais vous faites ça comment? Non. Je suis sortie, j'avais mes deux filles. Il y a un écart de près de combien d'âge? 12 ans entre mes enfants. Hein. Premier mariage et deuxième mariage. Oui. Grand écart. Parce que j'avais dit que, oh les mecs, c'est bon, je reste avec mes filles, c'est ce qui m'intéresse. Point terminé. Vous pensez qu'entre-temps, il n'y avait pas les gars qui voulaient marier. Je fuyais le mariage. Oui. Chacun qui dit qu'il veut marier, je le fuis, je bloque son numéro. Je ne veux pas l'enfant. Parce que je savais que j'avais mes deux filles. C'est ce que moi, je voulais. Je ne voulais plus rien. C'est une qualité de honte. Tu vas marier, tu as l'enfant, tu sors, ça a chauffé là-bas. Hein? Tu te retrouves maintenant, tu prends un autre gars.
Vous m'bindaye. L'enfant entre. Hein, père? Parce que tu es seulement là comme ça, la mère pondeuse. For what? Quand je suis sortie de l'autre mariage, première des choses, c'était chez le médecin. Stérilet, piant. Je ne veux rien. Parce que c'est une affaire de honte, je vous dis. Nous, les femmes. Mm-hmm. Celles qui sont conscientes ne le feront pas. Pour, you know, juste comme ça. Ça arrive que, bon, you know, peut-être elle voulait encore plus d'enfants. Peut-être elle voulait deux enfants ou trois. Et elle n'avait eu qu'un en avant, dans le passé. Les personnes conscientes ne feront pas ça. Quand tu vois, il y a un gars qui a quatre enfants, quatre pères différents, assieds-toi. Il faut comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas. Parce que je dis bien, une fille normale, une femme qui réfléchit, une femme qui est éduquée et mature, on ne parle pas d'école ici. Quelqu'un qui est sage, qui est intelligent, ne fera pas ça. Tu vas faire un, c'était une erreur. Deux, et une autre erreur. Tu t'arrêtes là. Oui. Mais bon, chacun vit sa vie comme ça l'arrange, comme ça l'intéresse. Tu ne peux pas venir demander à quelqu'un de vivre ton style de vie. Il ne va pas comprendre. Tout au contraire, il va te, you know, il va te prendre un genre. C'est à toi de connaître ce qui est... Du moins, on utilise nos valeurs. Coucou, ma sister, grand-mère Nems. Bon samedi, la mère. Ah, bon boulot. J'ai un aéroport régional ici, donc vous entendez les petits avions là. Donc, c'est à chacun de savoir ce qui est important pour lui. Mais je redis encore, les femmes mûres, les femmes matures, ne tombent pas dans ce genre de coup. La maturité n'est pas toujours l'âge. Que ce soit très clair. Aaron, what time is it? What time? Ok. La maturité n'est pas toujours l'âge. Parons, partagez le direct. Et donne, mettez-moi les cœurs ou bien les likes. Mettez quand même les cœurs ou les likes sur le direct, non? Je ne vous demande rien que ça. Ceux qui veulent donner les étoiles, donnez. Hmm? Mais mettez quand même les cœurs et partagez le direct. Très belle journée. Voilà le soleil qui commence. Je vais amener les enfants au football game. Et soccer. Je serai dehors comme ça. Le soleil va encore me papser, comme on dit. Que samedi passé, même chose. Mais on va faire comment? C'est ça. Il faut que les enfants s'épanouissent aussi. Ça fait partie de ça. Likez le direct. Je vois une personne qui vient de like. Continue à liker. Ou lover. Oui, on ne peut pas se retrouver qu'on a quatre enfants, quatre pères différents et on espère que quelqu'un va nous prendre au sérieux. Coucou ma sister Marie-Claire, comment tu vas? Non ma mère, ça va. On ne peut pas se retrouver qu'on a quatre enfants, quatre pères. Non mes soeurs, nous-mêmes on paie notre respect quand on fait les choses comme ça. On paye notre respect. Utilisons quand même nos expériences. Merci, oh, ma sister, je connais. Tu es une grande partageuse, grand-mère Nems. Merci beaucoup. Il dit que, maman, je mets même la crème solaire. Bon, la lotion que je mets sur mon visage a quand même 50% de crème solaire. Il te dit, truc de game des enfants, là, tu t'assois là comme ça, le soleil. Et il y a deux enfants, hein. Tu sors d'un game de l'autre enfant. Tu vas courir, partir dans l'autre parc pour le game de l'autre enfant. Ils font le style que ce n'est même pas dans le même parc. L'autre finit immédiatement, tu n'as même pas 30 minutes pour courir, aller dans l'autre stade pour que l'autre enfant joue. C'est simple. Allons laisser. C'est ça les sacrifices. Et on ne peut pas continuer comme ça. Nous-mêmes, on fait, les gars nous manquent de respect. Mm-hmm.
Ce n'est pas pour dire que les gars sont, beaucoup de gars sont, you know, sont des bons gars là-dedans. Non, il y a trop de mauvais gars. Mischievous, comme on dit, il y a trop de mauvais gars. Chacun doit faire ses propres recherches. Et oui, pourquoi on ne tombe plus? Tu tombes dans un tchouki une fois, tu tombes dans le tchouki deux fois, c'est quoi? Surtout ce genre de tchouki là. Non. Chacun se prépare, chacun arrange son corps, comme on dit, tombe-nous. Chacun arrange son corps, il arrête bien. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train d'aller dans... Non. Comme les gens disent, mes enfants, mon combat. Et c'est ça qui est ça. Si ça n'a pas à élever mes enfants, non, je ne suis pas sur ça. Il faut laisser. Du mieux de mes possibilités. Hein. Parce qu'il y a des moments où nous sommes ici, on travaille, on rentre à la maison, on est fatigué. Il y a certaines activités qu'on ne peut pas mettre l'enfant parce qu'on ne peut pas. Tu es fatigué, tu veux aussi te reposer. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le système. Le système nous met, you know, parfois les clés 14. On est obligé d'accepter. Mais là où nous-mêmes on peut choisir, là, nous devons faire l'effort de faire de bons choix. Coucou, Père Wako. Moi, je ne connais pas. Ne viens pas me faire chercher les problèmes ici. Tu vas faire, on va encore aller là-bas me laver. Les têtes baissées là. Et demi cerveau, vont encore aller là-bas me laver, maman. Ha. Non. Donc, vraiment, mes soeurs, mes frères, parce que tout ça, ce n'est pas seulement pour les femmes, même les hommes. Parce que de nos jours, quand la femme divorce, hein, elle ne divorce pas d'elle-même. Elle divorce d'avec un homme. L'homme là aussi sera l'homme divorcé. L'homme là aussi viendra dans la nouvelle relation avec ses enfants, avec ses bagages. Donc tout ce que j'ai dit ici, ça vaut pour la femme comme pour l'homme. Les deux. Toi l'homme, tu vas rencontrer un gars. Tu ne cherches même pas à savoir si c'est le genre de maman qui peut bien regarder tes enfants là. Pardon, tu ne cherches même pas à savoir. Si c'est le genre de personne qui est même, qui a même l'air, elle est même maternelle. Non, tout simplement parce qu'elle t'a bien binda. Tout simplement parce qu'elle t'a mis les pieds en l'air et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà, tu es tombé. Tu es tombé. As-tu pensé à tes enfants? Parce que quand tu iras dans cette relation, tu vas amener tes enfants avec. 10:23, you told me 9:30, man. Hey, l'enfant s'est menti. Attendez. Ok, you guys got, you know, you need to go get ready. We need to leave by 11, please. Ouais, vous me faites rire, hein, dans les commentaires, là, c'est chaud. Aïe, aïe, aïe. Mais sinon, comment dire, la vie c'est mal calcul, mal plan, malheureusement. Surtout quand tu as échoué une fois, tu ne veux pas échouer la deuxième fois. Tu te dois de réussir, tu as l'obligation de réussite à la deuxième fois. Donc c'est pour ça qu'avant de t'engager pour la deuxième fois, tu dois regarder tous les paramètres. Ensuite, la chance pourra venir de ton côté. Tu regardes tous les paramètres, inclus-toi. Parce que toutes les relations qui échouent, ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Peut-être que tu es la raison de l'échec de cette relation. Il faudrait que chacun se remette en question. Quand tu es tout seul dans ton coin, tu n'as pas besoin d'admettre ça devant l'homme ou qui que ce soit. Tu t'assois dans ton coin, toi-même. Tu réfléchis, tu dis que ouais, moi-même, ce que j'ai fait l'autre fois là, c'était pas bien. Ce que. Toi-même, tu te remets en question. Tu vois ce que tu as fait qui n'était pas bien. Coucou, maman Cathy, comment tu vas, ma mère? Toi-même, tu vois ce que tu as fait. Tu te poses la question, bon, voilà, ce que j'ai fait, c'était pas bien. Ouais, ça a peut-être participé, ça a peut-être you know, participer à détruire mon mariage ou bien à détruire ma relation. Et tu te prépares, tu t'arranges, tu travailles sur toi pour ne plus commettre les mêmes erreurs dans la prochaine relation. Ce n'est toujours pas la faute de l'autre.
Parce que c'est ça notre problème. Quand on se sépare, c'est toujours la faute de l'autre. Moi-même, championne, je suis championne pour ça. Je mets tout sur l'autre. Yeah. Chacun doit prendre ses propres responsabilités. Hey, Mom. Oui, papa. Did you get an email on if we're home or away for this game? I think it's home. It's home? I think so. Can you check? It's on my phone. Coucou ma bijou, comment tu vas ma mère? C'est comment non? Ma sister d'amour, hein? No, it's not on that one. It's on this one. What? Mm. The guy is sleeping. Okay. No. Let's see. I think. What time is your game? It's like 12:45. Soccer. Hold on. 12:45. I don't know. Okay, this is yours, right? Mm-hmm. Mr. This guy. I don't know. It doesn't say home or away though on this one. When Saturday, September 4th, 2:45. Mm-hmm. Event reminder. It doesn't say home or away. Just bring all the. Go to event maybe. How do you go to event though? It's sitting right there. No. Okay. You want to say good morning here before you continue? Say good morning. Good morning. Thank you. Oh. That's. Okay, I don't know the email. Can I? No, ça ce n'est pas Chine, ma. Marie-Claire. Mais bon, c'est les trucs, les nouveaux uniformes des enfants. Ce n'est pas Chine. Mais je commande souvent à Chine. Il y a des choses que je commande là-bas, les chapeaux, les foulards. Moi, j'aime les choses. C'est les trucs, les tenues, les nouvelles tenues des enfants pour le ballon, non? Okay. Parce que le pays, c'est moins de choses en vous. Les tenues. Mish, is it away or at home? I don't know either. It should be in your email or something. Okay, I'm using. Okay, take a look here, because I'm doing live on this email. So the Aaron shorts. I think he has a shirt. If it's yeah, there's white. A white and a blue in there. I'm not sure which one. It is. Well, but up there he has a white shirt. Okay, j'ai leur demandé de mettre tout dans le sac. See, I arrive là-bas, c'est away. Here's the problem is then they started wearing their jerseys to the games and stuff, like to the practice. To the practice, yeah. Uh-huh. Which I was telling them, just wear regular clothes. When you do your games, put mm-hmm. it back in the game bag. Then we can wash it and do whatever. So when the game comes, I washed it the other day. There's some on the basket in my room. Mm-hmm. Okay. But yeah, just put all your game shirts in the game bag. Don't wear it to practice. With everything in your game bag. Okay, Aaron's is blue. No, jersey, pas la paix. Blue, I mean, Alex is blue jersey, blue socks. Okay. Wait, I need a screenshot. Just double. You got it? Yeah, that's how you do it. You got it? Okay. Mm-hmm. Hey, I'm not taking this phone with me. Oh. Well, yeah. Mm-hmm. Okay, Aaron is white jersey. Bring your blue one just in case. Take your bag, please. Chacun prend son sac. Il met tous ses équipements dedans. Je ne viens pas ici, je repars, je reviens. S'il vous plaît. Oh, yes, the jersey's fine. But your blue jersey. Yeah, you didn't have. You have a white jersey already. You didn't have a blue one. Hey. You didn't have ouais, mes gens. Le sujet de la campagne, là, on va mettre ça une autre fois, non, Marie-Claire. Quand on mélange comme ça, ça n'a plus de sens. Ok, mes gens, moi je vais vous laisser. Je vais aller me préparer comme je vais amener les enfants à leur game. Tout ce qu'il y a à retenir ici aujourd'hui, c'est que chacun doit se respecter. Femme comme homme. Et quand on entre dans une nouvelle relation, quand on s'aventure dans une nouvelle relation, on s'aventure ayant un esprit que on n'est plus seul. Ce sont nos enfants.
qui sont les priorités. Que l'ambinda soit facile, l'ambinda soit fascinante, que l'ambinda soit n'importe comment, ça ne devrait pas être notre point culminant. Ça ne devrait pas être ce qui nous importe le plus. Donc, c'est ça. Ce qui importe, c'est le bonheur de nos enfants. Ça n'empêche, j'ai oublié de mentionner ça, ça n'empêche, ok, grand Ménès, ça n'empêche pas que quand tu as tes enfants, tu parles avec eux, tu dialogues avec eux, tu ouvres cet espace dialogue-là, que l'enfant se sente en sécurité de te dire tout. Et que tu dois te rassurer que l'enfant peut compter sur toi à tout moment. Tu dois faire comprendre à ton enfant que c'est lui avant tout. Le mari, c'est le mari. Sa place, c'est que de l'autre côté. Michelle forgot them again. Hein? Michelle forgot them again. Forgot what? James. Oh, OK. I thought she did the screenshot. What? Voilà. Donc, you know, tu dois être capable de t'ouvrir à ton enfant, de savoir que ton enfant est sûr de sa confiance en toi. Il faut que l'enfant soit que l'enfant sache dans son fond intérieur que s'il y a n'importe quoi, ma mère sera à côté de moi. Ma mère sera là en bango bango avec moi. Ma mère va me croire. Ma mère va me prendre en considération. Ma mère va m'écouter. Oui. Parce qu'il y a certains enfants ici, ils sont avec les parents, mais les parents, ils se rendent compte que ça ne sert à rien de dire des choses à leurs parents parce que le parent ne va même pas les croire, anyways. Donc, ils se retirent, ils gardent les choses dans leur cœur. On les a même violés là-bas, on les a même tapés. Ils gardent aussi, ils disent, ah, si j'ai dit à ma mère, est-ce qu'elle va même, elle ne va même pas comprendre, elle ne va même pas me believe, she's not going to believe me, elle ne va pas croire en moi, elle ne va pas. Donc, ils préfèrent garder tout en eux. C'est un problème très important, vraiment. Ça, c'est aussi un autre sujet. Mais malheureusement, ce sont des choses qu'on doit travailler. Parler à ses enfants. Mon enfant ici, j'ai dit même le bus. Quelque chose se passe au bus, school bus. Il va me chercher pour me dire. Parce qu'il sait que maman ne va pas laisser ça passer. Ok, cool. You gotta touch it, if not, it's gonna go away. Oui, l'enfant sait que s'il dit à maman, ils sont excités de me dire n'importe quel petit truc qui se passe. Voilà, ce qui est sûr, c'est que je prends d'abord la défense de mon enfant avant que quoi que ce soit arrive. Même si c'était sa faute après, on va gérer ça qu'après. Mais le moment là, dès que je suis au courant de quelque chose, on va d'abord gâter avant d'arranger. Oui. J'ai dit, j'irai souvent comme ça. L'enfant prend le téléphone de son père, il m'appelle. Je suis au travail. Mom, je vais te dire quelque chose. Tu sais, il y a une fille là, sur le bus ou dans le bus. Elle m'a touché. Elle voulait toucher un peu. Elle veut me parler. Elle me pousse comme ça. Je ne veux pas qu'elle me parle. Et elle se fâche. Elle me gronde. J'ai dit, hein, elle s'appelle comment? Sa classe, c'est quoi? L'enfant connaît qu'il peut compter sur sa mère. Et je ne perds pas le temps. Dès que je suis au courant de tout ce qui s'est passé, parce que mon enfant me dit, et je crois. Montrer à son enfant que tu le crois. Et en ce moment, apprendre aussi à son enfant qu'il est important de toujours dire la vérité, même si ça fait mal, même si ce n'est pas bien. Toujours dire la vérité. Parce que quand l'enfant te dit la vérité, même si c'est chaud, au moins tu sais que oui, c'est mauvais, mais on va arranger vite, vite pour que ça ne parte pas, you know, que ce ne soit pas catastrophique. Ça fait quand l'enfant sait qu'il va te dire la vérité, chaque fois il te dit, tu écoutes, tu te fâches, oui. Parce que moi, je gronde ici souvent. Je gronde, oui, mais après, ils savent que oui, bon, c'est pour une raison. Je gronde, mais après, on arrange. L'enfant connaît qui va me dire que je ne vais pas m'asseoir sur ça. Direct, je vais prendre le téléphone, j'appelle l'école. Il y a eu quoi sur mon enfant? Que qui a dit quoi? Je veux le rendez-vous avec le principal.
principal, c'est quoi? Le directeur, directrice, c'est comme ça que vous appelez ça là-bas. Ici, c'est principal. Je me lève comme ça, je quitte, je laisse mon travail. Je pars au rendez-vous avec le principal. Je m'assois là. Que quelqu'un me dise ce qui s'est passé sur mon enfant. J'ai dit pour les petits trucs. Quand ça fait comme ça, une fois, deux fois, même l'école ne va pas tenter mon enfant. Je dis même l'école ne va pas tenter parce qu'ils vont connaître que c'est une maman noire là. C'est une African black lady. Elle sera là, elle sera ici. Et quand je viens, parle pas petit. Je ne parle pas petit. Je verse tout là. Quand vous me dites ce que mon enfant a fait. Parce que je connais que j'élève mon enfant, il connaît ce qui est bon, il connaît ce qui est mauvais. Quand il fait quelque chose de mauvais, il va me dire qu'il a fait. Donc, s'il m'a dit que tel lui a fait telle chose, il a dit à son enseignant, l'enseignante n'a rien dit. Ah bon, vous allez me dire pourquoi la situation là n'a pas été, comment vous dites ça, n'a pas été réparée. Vous allez m'expliquer. Je dis, je suis allée à l'école de mon enfant deux fois déjà pour parler à la principale, à la directrice. Que j'ai pris le rendez-vous, je veux voir la principale. Et je quitte, je pars de mon travail, en tenue de travail. Parce qu'ils nous prennent souvent pour les mboutoukous. Et c'est justement pour ça que nous, les parents, on laisse tomber. On n'est pas présent devant, dans la vie de nos enfants, dans leurs écoles. C'est un problème. Ils ne nous voient pas, donc ils font de nos enfants ce qu'ils veulent. Mais quand tu es devant leurs yeux, ils ne peuvent pas faire à ton enfant n'importe comment. Je dis, ils me voient, je viens, j'ai mon badge du travail. Avec tous mes credentials, c'est posé là. Qui je suis? Ça compte aussi, hein? Qui je suis? Mon nom, mes licences, tout est aligné comme ça sur mon badge. Pendant qu'on parle, tes yeux sont sur mon badge. Et ça te fait toi-même, tu te retiens avant de me dire n'importe quelle bêtise, tu vas réfléchir avant de me dire. En ce moment, ils nous prennent au sérieux. Et quand il y a n'importe quoi, on va m'appeler. Hey, Miss Sisters, I just wanted to let you know. Je voulais juste vous dire qu'il y a une situation, votre fils, il y a une fille qui a fait comme ça. On m'appelle, on me dit. Voilà un peu là où on impose le respect. Parce que ça a commencé à la maison. Votre enfant vous a fait confiance et vous faites confiance à votre enfant. Parce que vous parlez. Ça donne aussi la confiance à cet enfant-là. Ce qu'on appelle ici self-esteem, self-confidence. Ça fait que ton enfant lui-même, quand il reste debout, il sait que non, je suis moi debout, Massa. J'ai une main. Je suis debout. J'ai la confiance en moi. Que tu peux parler que j'ai à mon enfant seulement de 10 ans là. Quand il va se mettre debout, il va te parler. Personne n'insulte. Hein? Il n'y a pas les insultes, il n'y a pas la mauvaise. L'estime en soi, merci Marie-Claire. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas les bizarres paroles que les Noirs-Américains parlent. Sinon, ça n'existe pas dans ma maison. Il va se mettre debout. La façon qu'il va te parler, toi-même, tu vas comprendre que non, le gars a la confiance en lui-même, Massa. Il a l'estime en soi pour correctement à 10 ans. Souvent, moi-même, je lui dis que non, hé, papa, tourne un peu, non. Un peu. Ça amène un peu cockiness, ça amène un peu comme si tu es trop, tu fais encore comme si tu es... Pardon, faut pas ça, c'est pas bon. Mais, on apprend à nos enfants. Oui. Les filles, pas trop ça. Parce que, tu vois, quand on grandissait aussi, on grandissait avec les filles. C'était pas facile. Les filles sont très réservées, elles sont là, tu vois, calme, calme. Je n'ai jamais entendu mon enfant dire un mauvais mot. J'ai dit un seul mot. Jamais, depuis qu'elle les connaît. C'est parler avec vos enfants. Et dès que tu as même l'opportunité, que tu es en train d'entrer dans une vraie relation, que tu as décidé d'entrer dans une relation avec un nouveau gars, tu amènes tes enfants. Si ton enfant te dit un seul mot sur cette personne, tu connais ton enfant. Tu connais la relation que tu as avec ton enfant là depuis toujours. Elle te dit un truc qui n'est pas bien. Tu prends au sérieux. Quitte à même mettre la relation là à la poubelle. Parce que c'est ton enfant qui compte le plus. Voilà. Vous comprenez mes gens. Agargo. Tu dois partir. À 11h, on doit être en route. Socquement. Voilà. Vous passez un bon samedi. Peut-être on peut se prendre demain. Je ne sais pas. Ça dépend si j'ai le temps. Hey, Père Wako, pardon, laisse le demi-cerveau là ailleurs, pardon.
Voilà, Marie-Claire, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, parce que on est dans un pays, les enfants mélangés, les enfants sont là. You know, on a tellement rendu certains enfants crispés qui ne connaissent pas qui ils sont. Hé, je ne voulais même pas dire un petit truc. Mon petit-fils, mon dernier enfant, il me dit là, 6 ans, il m'a appelé avec le téléphone de son père. Il dit que, « Mom, je vais te dire quelque chose. » Il y a une fille là, un gars là dans le bus, le school bus, qui s'est moqué de... Il a dit quoi là? African culture. J'ai dit à mon fils que, « Hein? » Il dit, « Hein, papa? » Qu'il y a une fille là, un gars dans le bus là, hein? Il se moquait de la culture africaine. Je dis, « Hein? » Il dit que oui, j'ai dit, « Mais qu'est-ce qu'il sait? Quand il se moquait là, qu'est-ce que toi tu as dit? » Mon fils dit que non, qu'il ne peut pas se moquer de African culture. Which one is that, maman? Oh, ok, thank you. Habillez-les, j'arrive, maman. Oh, you're coming? Yeah. Are you going to Alex's game? I don't know, we'll figure it out. We'll figure it out. Hold on, let me finish my life. Hey, l'enfant vient me dire que il y a un garçon dans le bus qui se moquait de la culture africaine. Vous entendez? C'est un petit garçon de 6 ans. J'ai dit, oh, il se moquait de la culture africaine. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit que, il a commencé à dire que, mom, he's doing this, he's saying that. Et il lui a carrément dit que tu ne peux pas te moquer de la culture africaine. La culture africaine is the best culture. J'ai dit, mon fils, hein, qui a dit ça? Je lui ai dit que, good job. Il faut lui dire que c'est ta culture et c'est pour ça que tu es si smart. Parce que non seulement tu as la culture africaine, tu as encore pris la culture américaine, tu as mis sur ça. Donc imagine le level de smartness, le degré d'intelligence, le degré de la qualité que tu as maintenant. Tu as les meilleurs de deux mondes. Imagine. Je lui ai dit que non. Quelqu'un, si elle veut, il veut insulter, laisse-le insulter. Tu lui dis one or two things that you think. Very nicely, very politely, très poli. De la manière la plus respectueuse possible, tu lui dis ce que tu penses. Et tu le laisses. C'est parce qu'il ne connaît pas. C'est pour ça qu'il va se moquer de la culture africaine. Qu'est-ce qu'il en sait? J'ai dit que mon fils m'a raconté l'histoire. Il m'a dit ce qu'il a dit au petit. Il fait que dit la fille. Il y a une autre fille qui a créé le problème d'autre, mon fils. Maman, il n'a pas d'enfant. Les gens lui. Chacun dit, oh, parce qu'il y a mon premier fils, une fille qui. Où elle veut parler avec lui, mon premier fils ne veut pas parler avec lui, avec elle. Ça devient tout un problème. Anyways, c'est le commencement avec les enfants garçons dans la maison. Les filles tournent autour de mes garçons aussi jusqu'à moi, me dit comme on va arriver. Mais anyways. Donc c'est juste pour vous dire que nos enfants là, la valeur, je dis que c'est le diamant. On arrête ça que comme ça. Avant qu'ils grandissent, ils nous dépassent. Mais pour le moment, là, on fait ce qu'on a à faire. Voilà, mes gens. J'ai trop bavardé, je suis fatiguée. Dis donc, c'était un live de 20 minutes. Nous voici. Ok. Alright, bisous, non. On est ensemble. Merci de tous les partages. Merci pour tous les likes et love. Et tous les partages. Merci beaucoup. Continuez à partager.